Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Il est 20h30, heure locale. Et nous sommes en direct sur TV de Vie. Que Dieu soit béni pour euh, votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Seigneur Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ton amour Seigneur envers nous. Et euh, merci pour l'œuvre, l'œuvre Seigneur que tu accomplis dans nos cœurs, dans nos vies. Cette œuvre qui euh, se fait Seigneur de manière tout à fait naturelle, de manière glorieuse Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Qui sont connectés ce soir, au nom de Yeshua, notre Dieu, notre Maître, nous te prions. Amen. Voilà, mes amis, quelle joie de vous avoir avec nous, euh, avec nous ce soir. Et euh, merci pour vos prières en tout cas. Nous sommes très heureux, très contents parce que Dieu travaille, Dieu agit. Hier, nous avons euh, effectué une mission à, à Troyes. C'est une de villes françaises. Et euh, le Seigneur nous a fait du bien. Donc euh, il y en a certainement parmi vous qui ont vu des images. Et euh, à la fin de l'émission, on va euh, vous les diffuser, comme ça vous allez vous rendre compte vous-même de ce que Dieu fait de plus en plus. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, on va continuer bien sûr l'enseignement sur euh, la prophétie biblique, sur notamment euh, les sceaux, les sept sceaux. Et ce soir, euh, nous allons partager sur le cinquième sceau. Il y en a sept en tout. Et euh, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1er. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi, me dit Monte ici, je te ferai voir, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et Jean, bien sûr, va être convoqué, n'est-ce pas, par le Seigneur il va arriver au ciel. Pourquoi Parce qu'on lui a promis de lui montrer, Dieu lui a promis de lui montrer les choses qui allaient arriver, des choses qui se passeront et euh, qui allaient bien sûr arriver. Et ces choses-là arrivent, arrivent déjà depuis, depuis euh, des années. Et euh, donc en gros, Jean allait avoir, n'est-ce pas, euh, des révélations concernant le futur de l'humanité, également son futur. Il arrive au ciel, il voit un trône, il voit dans le chapitre 5... Il y a des êtres vivants autour de ce trône, les quatre, les quatre êtres vivants, également les 24 anciens. Et puis il dit au chapitre 5, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le lire ni de le regarder. Et l'un des anciens, l'un des anciens me dit ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas, de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les seaux. » Bien sûr, seul Yeshua qui a remporté la victoire face au péché était digne de prendre ce livre et de l'ouvrir. Bien sûr ce livre était euh, scellé par le prophète Daniel qui comme vous le savez a, vu, a reçu de grandes révélations concernant notre époque notre génération et il voulait euh, n'est-ce pas et, euh, il a commencé à faire des investigations euh, à faire des recherches pour sonder comme Pierre le dit dans un indice la période exacte où ces choses allaient euh, s'accomplir mais on lui a dit n'est-ce pas que ces choses n'étaient pas pour lui-même et euh, c'était pas pour lui mais c'était pour nous mes frères et sœurs donc, Jean, notre frère, notre aîné dans la foi, a eu la grâce de voir ces choses-là et de les consigner dans ce livre. Et, euh, et qu'est-ce qu'il va voir, justement Il va voir ce livre scellé par Daniel être ouvert par l'agneau, gloire à Dieu, qui a vaincu euh, l'ennemi, qui a vaincu le péché. Et il a vu les quatre premiers, les quatre cavaliers, hein, donc on en a parlé, et. Et euh, arrivé à, à l'ouverture du cinquième sceau et là Jean va voir nous dit la parole dans Apocalypse 6 à partir du verset 9 Jean nous dit quand il eut ouvert le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu des âmes qui avaient été tuées pour la parole ou encore à cause de la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient gardé d'accord il y en a qui disent euh, le témoignage est rendu, mais ici, il est plutôt question du témoignage qui devait être, n'est-ce pas, gardé. En fait, le, le mot grec ici, le verbe grec, parle aussi de l'adhésion. Hein, donc, adhérer à un témoignage, adhérer euh, à un message. Et ces hommes et ces femmes étaient décapités tout simplement parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, reçu le témoignage et, euh, euh, que le père avait rendu à son fils. Et comme Yeshua lui-même l'a si bien dit, n'est-ce pas, donc il a dit aux Juifs que quelqu'un d'autre rendait son témoignage. Regardez dans Jean chapitre 5, et à partir du verset 33, vous avez envoyé vers Jean, donc une délégation des hommes, et il a rendu témoignage à la vérité. Or, je ne cherche pas le témoignage des hommes, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Il était une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un peu de temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est mon Père qui m'a envoyé, et le Père, et le Père qui m'a envoyé a lui même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Voilà, donc on nous dit que le témoignage, n'est-ce pas, euh, 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 que ces hommes, ces martyrs avaient gardé, n'est autre que, justement, euh, celui que le Père a rendu à son Fils, Dieu est esprit, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, euh, ici, on nous parle de ce témoignage, bien sûr, par rapport aux œuvres que Yeshua, aux œuvres qu'il devait accomplir. Et la plus grande œuvre qu'il a accomplie, c'est l'œuvre de la croix. Voilà. Et le fait, justement, d'annoncer cela, le fait de dire aux hommes et aux femmes qu'en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut, eh bien, ce témoignage-là peut nous amener, bien sûr, à, à la mort. Pourquoi Parce que euh, l'ennemi de nos âmes, le diable, euh, qui, bien sûr, contrôle le monde, euh, a aussi ses émissaires. Et euh, il ne veut surtout pas que, des, que les hommes soient sauvés déjà, et il ne veut encore beaucoup moins. Hein, il ne veut encore moins euh, que les gens connaissent la vérité, découvrent le véritable Dieu, connaissent le véritable Dieu et l'adorent en esprit et en vérité. Et ces hommes et ces femmes, nous dit la parole de Dieu, donc euh, étaient tués. Et euh, mes amis, l'ouverture du cinquième saut nous donne beaucoup d'informations et euh, qui aussi euh, euh, à la fois qui sont à la fois et, euh, bien sûr alarmantes et aussi rassurantes. Pourquoi alarmantes Parce qu'il euh, est question de la persécution. Il est question des martyrs. Rappelez-vous bien, Yeshua hein, a dit, n'est-ce pas, que euh, euh, dans, Jean, dans Acte 1, 8, il disait aux apôtres. Vous recevrez une puissance, celle de l'esprit de Dieu, celle de l'esprit, et vous serez mes martyrs, mes témoins ou martyrs, c'est-à-dire des personnes sur le plan légal qui ont assisté à un événement, qui ont entendu des choses, et aussi sur le plan historique des personnes qui ont assisté, par exemple à une lutte chez les Grecs notamment, et, euh, et euh, voilà. Donc, ce sont des hommes et des femmes, ces martyrs, qui ont et euh, qui ont, à cause de leur foi en Yeshua, à cause de l'adhésion qu'ils ont faite au message du salut, au message de la croix, eh bien, ils sont persécutés, ils sont ex exécutés, ils sont rejetés en permanence par, bien sûr, euh, les hommes de ce monde. Et euh, donc là, c'est la première information que nous avons ici. Donc Jean apprend qu'il y a des personnes, effectivement, qui, euh, qui sont tuées. Et d'ailleurs, vous allez voir tout au long de l'émission, on va vous montrer quelques images, que la persécution, mes amis, fait partie de notre euh, vie euh, chrétienne. Et euh, voilà. Donc là, il voit, justement, il voit les âmes. Les âmes. Chez, en grec. Il voit les âmes où la vie, hein, où, donc le souffle, la vie. Et, euh, et euh, donc, on apprend ici, mes amis, que c'est une information que nous avons qui peut aussi nous rassurer en même temps. Ces personnes, bien qu'elles euh, bien, bien qu aient été euh, tuées, exécutées à cause de leur foi, à cause de leur témoignage, hein, celui, celui qu'ils ont rendu. La parole nous dit que ces hommes continuent, n'est-ce pas, de vivre après avoir été tués. Et ça, c'est une information capitale pour euh, les chrétiens, pour ceux et celles qui souffrent, qui sont malades. Et euh, nous apprenons ici qu'il hein, y a une vie après la mort. Voilà, ça c'est une nouvelle, mes amis, qui, qui est censée nous rassurer et à nous fortifier. Que nous, chrétiens, nous continuons de vivre, même si nous mourons. Le Seigneur l'a dit. En fait, ici, Jean confirme la parole. Il a vu ce que Yeshua avait promis dans Jean 5 en disant justement, et en disant dans Jean, celui qui croit en, en moi vivra même s'il meurt. Et il, ça, il se rend compte ici, Jean, notre frère, que ces hommes, hein, ces personnes continuent de vivre. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient gardé. Et elle criait à haute voix, disant, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Et qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit au verset 11, donc au verset 10 ces hommes et ces femmes, ces personnes, ces chrétiens, ces croyants, n'est-ce pas? Et demander au Seigneur, demande au Seigneur, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, que leur sang soit vengé. Et on nous dit qu que, que ces âmes étaient, n'est-ce pas, sous l'autel. Pourquoi l'autel Bien sûr, les questions ici de l'autel sur lequel on faisait des offrandes, des sacrifices. Hein, donc, euh, voilà. Donc, on nous parle, en fait, l'autel parle, nous parle de la croix. Donc, ces hommes et ces femmes n'ont pas voulu abandonner la croix qu'ils devaient porter chaque jour, leur croix. Quels que soient les dires des hommes, quelles que soient les attaques, quelles que soient la persécution, quelles que soient les menaces, ces hommes et ces femmes n'ont pas voulu, n'est-ce pas, abandonner la croix. Mes amis, chrétiens, vous voulez être sauvés Eh bien, il ne faut jamais sortir de la croix. Il ne faut jamais s'éloigner de la croix. La croix, le Seigneur nous a dit, hein, il faudrait que nous la portions tous les jours. Celui qui veut me suivre, le Seigneur disait, devait, n'est-ce pas, doit porter sa croix chaque jour. Et on nous dit que ces âmes criaient, Voyez bien que mes amis, la mort n'est pas la cessation de toute activité comme on nous l'a enseigné. Bien évidemment, leurs corps mortels sont enterrés, mais leurs âmes continuent de vivre, continuent à vivre, continuent de parler, de crier, de s'adresser à Dieu. Et qu'est-ce qu'on leur répond Et il leur fut donné à chacun des robes blanches. Et nous savons tous que dans les écritures, les robes blanches, selon les écritures toujours euh, nous parlent des œuvres, des œuvres euh, justes de la justice des saints, selon notamment Apocalypse chapitre 19. Donc on voit bien que ces personnes étaient justes, déclarées justes par l'œuvre de la croix. Et on nous dit, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit accompli. Waouh, mes amis. Waouh. Et qu'est-ce que nous apprenons ici Nous apprenons que ces âmes étaient en repos. En repos. Tandis que, mes amis, les âmes des, 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 des personnes non croyantes, incrédules, ces personnes-là, ben leurs âmes sont en tourment, hein, dans le tourment, dans la souffrance, après la mort, bien sûr. Et ici, on nous parle du repos. Alors, le repos, ici, regardez bien ce qui se passe. On retrouve ce terme, la grecque, hein, qui a été traduit par repos dans Matthieu 11. Matthieu 11, où Yeshua dit, Justement, au verset 28, venez, n'est-ce pas, à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, donnerai du repos. Donc, voyez bien que ce repos là qui à donne n'est pas seulement un repos présent, mais il est également le repos, le repos futur. C'est-à-dire, on, 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 on le vit. Une fois mort, non seulement dans le présent, présentement sur Terre, mais également une fois qu'on est, n'est-ce pas, après la mort, on est dans ce repos-là, c'est-à-dire on est dans cette félicité, dans cette, dans cette, 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 cette joie, dans, cette, dans cette, cette paix, mes amis, que le monde ne peut bien sûr donner. Et vous connaissez bien évidemment l'histoire de l'homme riche dans Luc 16 et de Lazare, le pauvre. On voit bien que le riche, après sa mort, parce qu'il ne se souciait pas du Seigneur, après sa mort, la parole nous dit qu'il était en proie au tourment. Regardez, euh, je vais rapidement euh, lire euh, euh, ce passage dans Luc chapitre 19, à partir du verset, euh, et, euh, voilà, Luc chapitre 16, pardon, à partir du verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres grièvement et toi, tu, tu es grièvement tourmenté. Donc, on voit bien que, mes amis, cet homme riche, bien sûr, l'homme riche était euh, insouciant, il vivait dans l'insouciance quand il était sur terre, et, euh, parce qu'il avait mis sa foi, sa confiance dans euh, la richesse euh, ou dans les richesses incertaines. Et il meurt, et il se retrouve en enfer, mes amis, vous vous rendez compte Et il est en train de souffrir grièvement, euh, nous apprend-il, nous dit-il. Et, et on voit que Lazare, qui était bien sûr pauvre et qui avait mis sa confiance en Dieu, il va être dans le repos, hein, dans le repos. Et là, on voit bien que Yeshua, n'est-ce hein, pas, j'envoie ces âmes-là, ces, ces chrétiens persécutés et euh, morts, et qui, dont la, les âmes continuent de vivre, tout en demandant au Seigneur de, de se venger, euh, euh, voilà, se venger, se, se venger, hein, d'aller, euh, n'est-ce pas, euh, de juger leurs ennemis, euh, leurs meurtriers. Et... Euh, et on nous dit que d'autres personnes, d'autres chrétiens vont, être, vont suivre le même sort, c'est-à-dire vont, euh, vont connaître le martyr. Et dans l'histoire de l'Église, le premier martyr, c'est bien sûr euh, Étienne, qui euh, va rester fidèle au message de la croix et il va être lapidé. Et, euh, et on connaît tous l'histoire, hein, si vous lisez dans Actes chapitre 7 et 8. Voilà. Et euh, Actes 9, notamment. Comment Paul persécutait d'autres chrétiens. Donc, la persécution, mes amis, fait partie de notre, 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 notre lot. Et, hein, donc, et euh, voilà. Donc, le Seigneur dira même, il dira même que certains de ses enfants vont être mis à mort, hein, là où le diable a son trône. Voilà. Donc, on voit bien que la persécution, mes amis, euh, euh, est biblique. Et que l'on soit persécuté, rejeté, Traitez de tout le nom. Donc ne soyez pas choqués si vous êtes persécutés, mes amis. Dès l'instant où vous avez accepté, dès l'instant où vous acceptez de marcher dans la vérité, vous serez bien sûr rejeté. Et vous pouvez même connaître la mort. Voilà, la mort. Donc nous apprenons à l'ouverture du cinquième saut qu'il y a une vie après la mort pour les chrétiens. Jean l'a vu moi je crois que son témoignage est digne de foi, digne de confiance. Donc je crois que ce que Jean a écrit ici. Il a vu ces êtres, il a vu ces chrétiens, il a vu ces personnes, il a vu qu'il y a une vie après la mort. Je veux plus croire à la parole du Seigneur qu'au témoignage qu'ont témoigné des uns des autres parce que cette parole mes amis est digne de foi. Voilà, donc ça c'est une information pour vous encourager, vous qui êtes malade, vous qui êtes fatigué, vous qui, êtes, euh, vous qui avez de l'âge, vous qui vous dites, euh, comment je vais faire, est-ce qu'il y, Est qu y a une vie après la mort ou pas, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas, est-ce que euh, Dieu va me sauver ou pas, il y a une vie après la mort. Et si vous êtes euh, croyant, chrétien notamment, si vous croyez à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, eh bien, vous allez être dans ce repos. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc... Euh, et, euh, et on, on va, on, on parle du témoignage justement, du témoignage que ces hommes avaient gardé. Ce n'est pas une, une, une chose facile. Pourquoi garder le témoignage Pourquoi être persécuté Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils ont, ont été euh, tués Simplement parce qu'ils qu gardaient la parole du Seigneur. Ben, C'est simple. Vous savez, Dieu nous a donné des trésors. Pourquoi ils ont été exécutés Tout simplement parce qu'ils gardaient la parole. Parce que Satan vient pour voler. Satan, nous dit Jean 10, 10, vient pour égorger, détruire et ravir ce que Dieu nous a donné. Et il veut ravir le témoignage que Dieu vous a donné, c'est-à-dire l'évangile que vous avez reçu. Satan va mettre la pression sur vous, il va mettre toutes sortes de pressions, des hommes qui vont se lever contre vous, des gens, même des amis qui vont se dresser contre vous, juste pour que vous perdiez que vous abandonniez, vous abandonniez votre position, que vous abandonniez votre fidélité, que vous ne soyez plus, n'est-ce pas, fidèle vis-à-vis -vis de l'Évangile véritable. Voilà pourquoi il y a la pression. Si vous, pas tombé dans, si vous ne tombez pas dans la cupidité ou dans la convoitise, dans le péché sexuel, eh bien, Satan, met, Satan metta, mettra euh, la pression, il va exercer, il exercera une pression intense sur vous juste pour que vous soyez découragé, euh, pour que vous abandonniez votre position. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Elie, justement, Jezabel. Je avec des paroles hein, très très menaçantes. Élie, le prophète qui vient de remporter une grande victoire, va, n'est-ce pas, euh, se décourager, il va, n'est-ce pas, euh, être dans la dépression et Dieu lui dira, bah, écoute, tu vas oindre, euh, comment dire, euh, Élisée comme prophète à ta place. Voilà, à cause de la pression. Moïse, pareil, à cause de la pression, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a cédé, il s'est... Laissé, euh, voilà, il s'est emporté et euh, il a frappé le rocher plusieurs fois alors que Dieu lui avait demandé de, de, de frapper une seule fois. Vous voyez, et il n'est pas rentré en Canaan. Pourtant, Moïse n'était pas tombé dans le péché sexuel, ni, euh, mes amis, dans l'orgueil, mais simplement la pression. C'est la pression. La pression euh, de l'ennemi peut être tellement intense que si vous n'êtes pas prudent, eh bien, vous, allez, euh, vous allez baisser la garde, vous allez abandonner, n'est-ce pas, votre position et vous allez abandonner la foi. Vous voyez, ils ont été persécutés parce qu'ils ont gardé le témoignage. Vous voyez Et ça, c'est, je vous disais tout à l'heure que euh, certains, certains traducteurs ont, ont traduit ce, ce mot grec et, euh, par rendre, alors que ce n'est pas rendre, mais c'est vraiment garder. Hein? Garder ou encore euh, posséder, littéralement. Donc, ils ont été persécutés, ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas, parce qu'ils possédaient le témoignage de Yeshua. C'est ça. Ce que vous possédez, ce que Dieu vous a donné, votre possession, c'est ce que Satan veut, euh, n'est-ce pas, euh, voler. C'est ce que Dieu vous a donné, la vie de sainteté, la vie de prière, c'est ce que Satan veut vous voler. voyez Et c'est pour cela, Jean 10, 10 nous dit euh, le volant ne vient que pour voler, hein? il faut pour égorger, détruire et ravir. voyez Voilà. Donc, euh, et, euh, et le Seigneur là, là, là vraiment nous a avertis. Donc, la pression est de plus en plus intense sur les chrétiens. Et nous allons voir combien, euh, mes amis, euh, aujourd'hui euh, nos frères et sœurs sont persécutés dans le monde. Hein? Donc, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Voilà. Donc, c'est ça. Il veut, il veut voler. C'est un voleur. C'est pour cela qu'il faut garder, comme le Seigneur dit, hein, euh, garde ce que tu as. Garde ce que tu as, nous dit le Seigneur. En fait, qu'une personne ne prenne, couronne, ne prenne ta couronne. Voilà. Donc, euh, et, euh, et ça, c'est un avertissement du Seigneur et, euh, à toutes les assemblées. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, euh, et, euh, il est question de vaincre. Le Seigneur a dit à celui qui vaincra Je lui donnerai à manger de, de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous voyez, il faut vraiment garder jalousement ce que Dieu nous a. Donné. Ils ont été persécutés parce qu'ils ont gardé la parole, parce qu'ils ont gardé le témoignage, parce qu'ils n'ont pas voulu, mes amis, abandonner leur, leur foi. Quand on leur faisait des menaces, quand on, leur, on les obligeait à renoncer au Seigneur, ils disaient non, nous préférons garder hein, jalousement la vie de sainteté, la vie de crainte de Dieu, plutôt que de, n'est-ce pas, d'abandonner euh, Yeshua, hein, plutôt que de s'attacher aux choses de ce monde. Voilà, littéralement. Alors on va vous montrer quelques images, hein, donc notamment des, des chrétiens persécutés et euh, et, euh, au premier siècle, donc, euh, et, et puis on va avoir des images aussi des chrétiens persécutés. Aujourd'hui, hein, c'est des choses euh, dont on en parle, dont on parle très peu. Alors, je pense que les gens voient l'image chez eux, pas encore. Et euh, voilà, voilà, là c'est bon. Donc, voyez l'image. Hein, donc, euh, ça, c'est, ce sont des chrétiens qui sont brûlés, hein, et ça se passe au XXIe siècle, hein, mes amis brûlés dans un pays musulman. Je crois que c'est au Pakistan. Et euh, tout simplement parce qu'ils ont gardé leur foi. Vous voyez Ils ont gardé le témoignage de Yeshua. Et ils sont... Ce sont des martyrs. Voilà. Et ça... et euh, nous devons être au courant. Vous devez être au courant, mes amis, et mis au courant de toutes ces choses, parce qu'il y a beaucoup de souffrances et, euh, et des vrais, les vrais chrétiens seront de plus en plus euh, souffriront de plus en plus, seront de plus en plus persécutés. Donc on reste sur les images. Hein. On va faire défiler d'autres images. Alors en même temps, on va je vais vous présenter un peu le, les résultats de l'index hein, donc mondial de persécution en 2015. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend Pour la première fois, euh, trois pays sont en zone noire, pour la première fois de l'histoire, bien sûr, de l'Église. Alors, euh, la persécution augmente encore et le pire ne semble jamais, n'est-ce pas et Le pire ne semble jamais atteindre son paroxysme. Donc, la Corée du Nord est en tête de l'index mondial de persécution depuis 2002, totalisant à chaque fois plus de 86 points de persécution sur un total de, 10, de 100 points. Elle atteint désormais 92 points et elle est suivie bien sûr de près par la Somalie qui totalise à peu, à peu près 90%, 90 points et l'Irak 86 points. Voilà. Donc bien sûr il y a quatre continents qui sont concernés par la persécution des chrétiens aujourd'hui et euh, donc en premier lieu donc, il y a l'Afrique, ensuite l'Asie, l'Amérique et l'Europe. La persécution contre les chrétiens s'intensifie encore et s'étend même dans des pays à majorité chrétienne, et ça c'est quand même un constat assez alarmant, même dans des pays chrétiens, hein, donc il euh, y, a, y a de plus en plus de, de chrétiens qui sont persécutés, énormément. On constate une nouvelle hausse des de points de persécution attribués à chaque pays. En 2014, par exemple, on, tota, on totalisait 3000, euh, 3019 points pour les 50 pays de l'index mondial de persécution. En 2015, on a atteint le nombre de 31 000, euh, 000 euh, n'est-ce pas, 3 000, pardon, 170. Voilà, donc, euh, alors les raisons, bien sûr, sont euh, légion, hein, donc les raisons pour lesquelles les chrétiens sont persécutés, et euh, d'abord, essentiellement par rapport à leur foi, parce qu'ils euh, ben, sont, euh, ils savent en qui, nous savons en qui nous avons cru, hein, nous savons qu'il n'y a pas d'autre chemin qui échoue, et, euh, et euh, ils sont persécutés à cause de leur amour pour la vérité, leur amour pour le Seigneur, leur Dieu, notre Dieu. Et euh, alors, bien sûr, euh, et, euh, ils sont persécutés par euh, euh, plusieurs personnes, par, par par un système, le système bien sûr de l'Antichrist, bien sûr, et aussi euh, par les religieux, hein, les religieux, donc notamment la religion ou encore les religions de ce monde. Voilà, donc euh, il y a aussi euh, l'extrémisme islamique, hein, donc le principal mécanisme hein, de persécution, et ça très peu de gens euh, le savent aussi, donc il y a l'extrémisme musulman, hein, islamique, qui constitue le principal mécanisme de persécution. C'est le cas dans 40 des 50 pays de l'index, voilà, et euh, où l'on voit hein, une persécution violente hein, et beaucoup d'opposition. Donc sur les 10 pays où les chrétiens subissent le, le plus de violence. Huit connaissent une radicalisation islamique. Donc il est question ici bien sûr de, du Nigeria, de l'Irak, de la Syrie, de la Centrafrique. Vous savez, vous avez vu là, il y a il n'y a pas longtemps il y a une guerre entre le, 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 les chrétiens et les musulmans. Il y a le Soudan, le Pakistan, l'Égypte et le Kenya. Pourtant, le Kenya est un pays euh, logiquement chrétien. Et euh, il y a de plus en plus de chrétiens qui sont persécutés là-bas. C'est quand même assez paradoxal. Donc... Euh, voilà, les deux autres pays hein, sont le Myanmar et le Mexique. Voilà, donc, euh... donc il y a de plus en plus de chrétiens, bien sûr, chassés de chez eux. De nombreux chrétiens ont dû fuir la persécution, créant un flot sans précédent de réfugiés et de déplacés internes vivant dans une extrême précarité. Donc on, on, on suit bien hein, l'actualité avec ce qui se passe en Syrie. En Syrie, par exemple, 40% de la population chrétienne a quitté le pays. 40 de la population chrétienne a dû fuir ce pays. Sur les 1 800 000 chrétiens que, que comptait le pays avant la guerre, 700 000 sont partis. En Irak, depuis l'été dernier, 140 000 chrétiens ont été déplacés et 5 000 familles chrétiennes ont émigré au Nigeria. Des milliers de chrétiens ont été chassés de chez eux par Boko Haram. En Érythrée, hein, en Érythrée, en Érythrée, en Érythrée, voilà, en Érythrée, voilà, c'est en Afrique l'Érythrée, c'est ça. Et euh, il quitte le pays pour échapper à la prison. Ça, c'est terrible. Hein. Donc l'Érythrée est un pays aussi qui euh, persécute énormément les chrétiens, et c'est en Afrique. et, euh, et puis euh, et, euh, et il y, y a également des, des chrétiens qui sont de plus en plus marginalisés, hein, donc socialement et culturellement d'ailleurs. Cette année, euh, par exemple, le seuil d'entrée dans l'index mondial de la persécution est de 49 points de persécution. Donc, euh, il y a aussi le Koweït, un pays qui persécute énormément des chrétiens. Voilà, donc, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on qu qu voit Les dix pays les plus touchés par ce type de persécution sont la Somalie, la Corée du Nord, l'Afghanistan, hein, les Maldives, l'Érythrée. L'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak, l'Iran et la Libye. Et puis euh, l'Afrique, mes amis, l'Afrique euh, euh, subsaharienne, tout ça là. C'est dans le pays d'Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, que la persécution augmente le plus rapidement. Pour la troisième année consécutive, hein, c'est consécutive, un pays d'Afrique qui connaît la plus forte progression dans le classement. En 2013, il s'agissait du Mali. Vous vous rendez compte Le Mali. C'est au Mali où l'on voit hein, depuis 2013, hein, en 2004, depuis 2013, pardon, une, augmente, une 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 augmentation assez alarmante hein, des de, de, des chrétiens persécutés. En 2014, hein, il, il était question de la Centrafrique et en 2015 du Kenya. Hein, et euh, voilà. Donc on voit bien que et, euh, les chrétiens sont de plus en plus de plus en plus persécutés. Donc là, vous avez les, im les images là des chrétiens pendus. Hein, ça se passe aujourd'hui. Hein, dans notre génération, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas euh, abandonner leur foi, parce qu'ils ont préféré, ils préfèrent garder le témoignage de Yeshua. Voilà. Donc, et, euh, donc le cinquième sceau nous parle tout simplement hein, des martyrs. Et vous devez comprendre, mes amis, chrétiens, enfants de Dieu, que servir Jésus-Christ n'a pas été euh, et n'a jamais été, mes amis, euh, une chose... Euh, euh, facile. Servir Jésus-Christ, marcher de la sanctification dans ce monde, sur Terre aujourd'hui, ouais, même hier, n'a jamais été facile pour nos pères dans la foi, pour nos aînés et encore moins pour nous. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, nous voyons hein, l'émergence de l'Église apostate, l'émergence, mes amis, euh, de l'Église euh, politisée, de l'Église, euh, mes amis, euh, complètement... Euh, Paganisé, cette église qui, euh, bien sûr, euh, envoie ses émissaires, qui persécute en permanence les vrais enfants de Dieu, et euh, qui les persécute nuit et jour. Et euh, voilà. Donc, on voit bien que et, euh, ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui conduit ces hommes et ces femmes. C'est vraiment, bien sûr, les, les, les religieux, hein, c'est vraiment l'esprit du malin, hein. c'est l'esprit de Caïn. Caïn est le premier homme à avoir, mes amis, persécuté. Euh, les croyants, notamment son fr propre frère. Il a tué son propre frère. Voilà. Tout, ça, tout simplement parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes. Donc, voyez bien que derrière les gens qui persécutent les chrétiens, il y a l'esprit de Caïn. C'est l'esprit d'antichrist. Voilà. Donc, euh, l'histoire se répète. Et on continue dans, bien sûr, euh, les images. Et euh, regardez ce que subissent nos frères et sœurs, notamment ici dans un pays musulman. Hein. Donc,. Euh, et euh, persécutés, crucifiés. Regardez comment là, ils sont en train de lyncher euh, une jeune fille, tout simplement parce qu'elle euh, qu est chrétienne, parce qu'elle n'a pas voulu euh, euh, accepter de renoncer à sa foi. Hein. Voilà. Et vous devez savoir également au 1er siècle, hein, donc il y a d'autres images, on va les montrer aussi. Hein. Voilà, les massacres d'autres chrétiens ici et là, ce sont nos frères qui sont massacrés comme ça, chrétiens vous qui êtes enfermés dans vos bâtiments d'église ou dans vos maisons d'église et qui ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, regardez un peu ce que subissent nos frères et sœurs ici et là. Donc, on a vraiment, mes amis, euh, si nous sommes chrétiens, nous devons vraiment prier pour ces hommes et ces femmes, prier pour nos frères qui sont persécutés hein, par l'ennemi. Regardez ce que, ce que cette femme a, a subi à cause de sa foi et euh, sa foi chrétienne. Voilà. Donc, euh, et d'autres, ici, là, sont ils sont euh, brûlés, brûlés vifs. Voilà. Et là, décapité, je crois même qu'on lui a coupé la tête. La tête et, euh, voyez, le, le, le buste, tout ça, là. Il y a tout ça parce que la, euh, ce chrétien n'a hein, pas accepté hein, de se soumettre euh, ou d'adorer d'autres dieux. Voilà. Et là, euh, je crois que nous sommes en Chine. Regardez ce que subit cette sœur chrétienne. Hein, euh, voilà. Et euh, nous sommes, bien sûr, mes amis, au XXIe siècle. Voilà. Voilà les tortures que subissent ces femmes en Chine, pour, tout simplement parce qu'elles qu adorent le Seigneur, parce qu'elles aiment le Seigneur. Et elles, ces chrétiens n'ont rien fait de mal, si ce n'est que euh, suivre euh, les, les ordonnances de leur Dieu, de notre Dieu. Regardez ici. Euh, une autre sœur, hein, donc sœur chrétienne, dont la tête a été coupée. Hein, donc, euh, voilà. À cause de sa foi. Et ici, d'autres personnes qui sont exécutées. Donc, vous voyez bien que ce que Jean a vu, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce, ce, ce qui va se passer. Euh, c'est ce qui se passera demain également. Et là, bien sûr, il est question des, des chrétiens égyptiens qui sont exécutés par euh, euh, Daesh. Hein? Et euh, voilà, voilà d'autres massacres des chrétiens. Donc, ça, c'est l'ouverture du cinquième sceau. Ce sont les martyrs. Et là, euh, exécuté, lapidé. Donc, là, c'est la lapidation hein, d'une personne chrétienne. Donc, vous comprenez pourquoi leurs âmes continuent de crier vers Dieu pour que Dieu, n'est-ce pas, euh, les, enfin, juge leurs meurtriers. N'est-ce pas? Donc, euh, parce qu'ils ont, ont connu des morts, hein, la mort, des morts atroces, atroces. Là, c'est une, une personne chrétienne lapidée. Voilà. Là, c'est une personne chrétienne, une femme chrétienne, euh, peut-être même en Afghanistan, qui est, qui est enterrée, hein, qui sont en train d'enterrer et lapider. Vous voyez? Alors, on va voir les, les 50 pays où la pratique de la foi chrétienne est menacée. Donc, il est question, comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, donc une liste noire de 10 pays les plus dangereux pour la foi chrétienne. Donc, il y a la Corée du Nord, il y a la Somalie, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Maldives, il y a le Pakistan, il y a l'Iran et il y a le Yémen. voyez, mes amis Et voilà. Donc. Et, euh, et puis il y a d'autres pays, hein, donc d'autres pays où euh, la foi chrétienne est quand même menacée. Il y en a 50 en tout, là. 50, vous vous rendez compte, mes amis, c'est énorme, c'est énorme. Et nous sommes au XXIe siècle. Donc là, vous avez quelques images, quelques dessins, bien sûr, de ceux là de Étienne notamment. Hein, donc ça, c'est juste pour relater un peu l'histoire euh, dont il est question dans acte 7, 8, et 9, euh, Acte 8. Donc euh, voilà d'autres lapidations. Et euh, on a vu l'image de la reine là. Euh, voilà donc comment et euh, et euh, comment les chrétiens donc ça c'est une, une image aussi hein, dans la Rome antique comment les chrétiens étaient euh, jetés mes amis en pâture au, 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 au lion hein, et il y avait des foules qui euh, acclamaient et là euh, ils étaient déchirés parce qu'ils avaient foi en Yeshua tout simplement voilà donc euh, c'est terrible mes amis, ce que nos frères et soeurs vivent, et je tenais à vous dire que nous serons de plus en plus persécutés. L'apôtre Paul a dit dans Actes 14, 22 à 23, euh, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Donc, on continue dans les images, là. Et, euh, et selon les historiens, tous les apôtres du Seigneur ont connu le mar martyr. Ils ont connu beaucoup, euh, vécu beaucoup de souffrances, expérimenté. La croix. Hein? Donc, euh, selon, bien sûr, euh, Hippolyte, qui était un, un grand défenseur de la vérité, Hippolyte qui a vécu euh, au IIIe siècle, Hippolyte euh, a, euh, nous apprend hein, que Pierre a prêché l'évangile à Pontus et en Galatie et qu'il a été crucifié par Néron à Rome avec la tête en bas, tel qu'il avait lui-même euh, voulu. Hein? Donc, euh, il nous apprend également. Que André, l'apôtre, a prêché aux au, au Scythes et aux Thraciens. Il a été crucifié, suspendu sur un olivier et, euh, dans une ville d'Acaï. Et, euh, et Jean euh, est mort euh, très très âgé, bien sûr, à, à Éphèse. Jacques, son frère, bien sûr, a prêché l'évangile en Judée. Et comme euh, à, à, à Acte 12 le dit, il a été décapité par Hérode. Et euh, Philippe, euh, selon euh, Hippolyte, a été crucifié à Hierapolis avec la tête en bas vers le temple de Domitien, et c'est là qu'il a été enterré. Barthélémy euh, a, a, a prêché aux Indiens, et c'est là-bas qu'il a été crucifié, la tête en bas. Et euh, voilà. Matthieu a, il est, il est mort euh, dans une ville de villes de Parthe. Thomas nous dit euh, Hippolyte. A été percé dans les quatre membres de son corps avec une lance. Voilà, donc euh, et, euh, Jacques, le fils d'Alphée, euh, a été lapidé à mort par les Juifs et enterré à côté du temple. Et euh, Jude, qui est appelé euh, Lébaïcus, a prêché aux gens d'Éphèse et, euh, et lui, il s'est endormi euh, à Bératus, hein, Beritus, voilà. Et euh, Simon le Zélote, celui qui était très très zélé, et euh, lui euh, il est mort à l'âge, selon, et, euh, et, selon Hippolyte, il est mort à l'âge de 120 ans. Donc voilà. Vous voyez bien, mes amis, que la plupart de ces apôtres ont connu le martyr. Vous ne pouvez pas euh, vouloir servir le Seigneur et refuser la persécution. Vous ne pouvez pas, mes amis, euh, vouloir servir le Seigneur dans toute la vérité et euh, abandonner la foi en même temps. Euh, que dès que vous êtes persécuté, la persécution, les critiques, les épreuves font partie de notre vie chrétienne. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on allait, allait nous acclamer. Il a dit clairement que nous serons haïs de tous à cause de son nom. Vous voyez ici ce que cette, ce frère chrétien subit à cause de sa foi et il y a une foule autour, hein, donc bien sûr qui regarde. Voilà. Et, euh, et à l'époque de l'Église de primitive, les empereurs romains les empereurs, les empereurs romains euh, demandaient aux chrétiens de, de sacrifier, hein, donc de sacrifier des animaux en leur honneur et d'allumer de l'encens hein, en leur honneur. Et, euh, et les chrétiens qui refusaient, ben, ils étaient persécutés. persécutés. Et, euh, et c'est terrible. Parfois, on, on tuait des animaux, on enlevait leur peau et on les, on, on, les, on les mettait sur les chrétiens qui étaient totalement euh, dénudés, déshabillés, nus. Hein, dans les arènes, devant tout le monde, devant, au milieu de, de foules et de foules de personnes, et il y avait du sang, des animaux sur, sur, sur leur corps, ils ont lâché les lions, hein, les léopards, et qui déchiraient nos frères et sœurs, et d'autres étaient brûlés vifs. Voilà. Donc, euh, et quand, après la persécution, bien sûr, de, de, des empereurs romains au 1er siècle, il y a eu aussi, euh, quand Constantin va se convertir, il va y avoir euh, la persécution de l'Église romaine, hein, l'Église romaine qui va persécuter les, les, vrais, les vrais croyants et euh, qui étaient attachés à la vérité biblique. Il y a eu beaucoup, hein, des millions de morts, des millions de personnes qui ont connu la mort. Hein, euh, voilà. Et euh, il y a eu également, comme vous, vous, vous le savez, la guerre, hein, guerre des de, de religions en France où euh, des, des croyants protestants étaient persécutés par, par l'Église romaine. Et beaucoup se sont, mes amis, enfuis. Euh, voilà. Et euh, aux États-Unis, notamment, en Angleterre. Et euh, de plus en plus de chrétiens sont persécutés. Et aujourd'hui, même dans les pays européens, mes amis, il y a une persécution sociale. Des personnes croyantes, des chrétiens qui refusent, par exemple, mes amis, des pasteurs qui vont refuser de bénir le mariage des homosexuels, eh ben, dans les prochains mois, là, mes amis, ils seront obligés hein, de, 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 de fermer leurs locaux. Et ça, il faut que les croyants se préparent également. Et vous allez voir que de plus en plus, des pasteurs vont adhérer à cette idéologie, mes amis, aux lois, mes amis, de l'antichrist. Et euh, vous avez vu que l'église protestante de Suède a, mes amis, euh, comme l'église, comme la fédération, euh, de, de protestante hein, de, de France, l'église de Suède également, euh, l'église protestante hein, suédoise a également voté euh, des lois en faveur du mariage de, des personnes du même sexe. Donc Dieu respecte tout le monde, Dieu aime tout le monde, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Et, et, et nous, nous ne. Nous ne faisons pas l'apologie de la violence, au contraire, nous bénissons les hommes, nous bénissons les gens, nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous dit la parole. Nous ne devons pas, en tant que chrétiens, développer de la haine contre les personnes qui nous combattent, contre les personnes qui nous maudissent, contre les personnes qui nous, qui nous persécutent, qui veulent nous tuer. Nous devons prier pour ces personnes, les bénir, mes amis. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut se soumettre à la parole du Seigneur. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas le péché, mes amis. Et je tenais à vous dire que de plus en plus, euh, les chrétiens seront persécutés, les églises seront persécutées, des, des, des maisons d'églises seront fermées, des bâtiments d'églises seront fermés, des pasteurs seront obligés de quitter certains pays, des prédicateurs qui aiment la vérité, des prophètes seront obligés de se cacher comme à l'époque d'Élie, mes amis, où euh, Jézabel persécutait les croyants, les prophètes, au point où Dieu les avait cachés, Dieu avait caché 7000 7 euh, euh, serviteurs authentiques. Et, et, et Elie était le seul à être sur la scène euh, m, m, pour prêcher, pour défendre la vérité. Et, euh, et nous sommes dans cette configuration où, mes amis, les faux prophètes sont de plus en plus... Euh, mes amis, ont de plus en plus pignon sur rue. Ils sont acclamés, ils sont adulés. Et les vrais enfants de Dieu sont persécutés. Les vrais prophètes sont persécutés. Ils sont traités de faux. Ils sont traités de, 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 de sorciers, de tout ce que vous voulez. Et c'est leur lot. C'est la parole qui s'accomplit. Donc, on doit bénir le Seigneur. C'est la persécution. Et il faut prier pour hein, nos ennemis. Voilà. Et si vous regardez bien à Hébreu 11, on nous dit que les hommes, mes amis, euh, les, hommes, euh, de ce monde, les hommes de ce monde, les hommes de ce monde vont persécuter, ont persécuté les vrais croyants. Les hommes de ce monde euh, persécuteront encore les croyants d'aujourd'hui et euh, de demain, et euh, aujourd'hui et demain. Et Hébreu 11 nous dit également que les, 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 les hommes et les femmes qui avaient foi, qui avaient gardé foi, le Seigneur a dit, il faut garder notre foi, et euh, qui avaient gardé leur foi en Dieu, étaient, mes amis, euh, euh, ils, allaient de, ils allaient de cachette en cachette. Et, euh, et la parole nous dit même que ces hommes-là, le, le monde n'était pas digne d'eux, hein, ces hommes et ces femmes. Ils, allaient dans des, ils se cachaient dans des montagnes, dans des antres de la terre, dans des trous hein, de, de la terre pour fuir la persécution. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et dans Jean 16, il dit, l'heure viendra, l'heure vient où quelqu'un vous tuera tout en croyant rendre un culte à Dieu. Oui, mes amis. Alors, le christianisme, mes amis, actuel est tellement paganisé. C'est tellement paganisé que quand une personne est persécutée, quand un chrétien est persécuté, on a tendance à dire c'est parce qu'il était dans le péché, tout ça. On a tendance, tendance à dire oh là là, il faut faire attention, vous avez vu comment on le persécute. Mais c'est biblique tout ça là, c'est biblique. Rappelez-vous bien que celui en qui nous croyons, notre modèle le plus parfait, Yeshua, il a fini sur la croix. On l'a traité de Belzébul. Il n'a pas été acclamé. Il a dit dans Jean 5, regardez bien malheur à vous. Si tout le monde dit du bien de vous, le Seigneur nous a avertis. Donc, on a tellement eu des mauvais enseignements, on a tellement été mal enseignés, on nous a tellement présenté euh, un christianisme morobon, un christianisme euh, à l'eau de rose, édulcoré, mélangé, euh, cet évangile de la prospérité, que euh, ben, euh, ben, beaucoup de chrétiens ne savent pas si c'est la persécution. Voilà. La moindre épreuve, eh ben, ils abandonnent la foi. Le, la moindre critique, il commence à pleurer, à baisser, à baisser la garde, à ne plus prier. Là, il y a un problème. Vous devez comprendre que la persécution, est la, est la, est, est, est la base et une des bases de la vie chrétienne. Regardez bien dans Matthieu 5. Vous êtes le, le Seigneur a dit quoi À partir du verset, et euh, et à partir du verset euh, euh, 10, bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Bénis. Ha! Donc la persécution est une bénédiction. D'autres écrivent heureux. Oui, le mot grec signifie aussi heureux. Mais euh, voilà, dans cette version, nous, on a choisi vraiment la bénédiction parce qu'on nous a tellement fait croire que la bénédiction, c'est avoir une voiture. Que la bénédiction, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Parce que les, les, les gens de ce monde ont ces choses-là. Ces choses-là viennent d'eux. C'est eux qui sont à la base de ces choses. Mais la vraie bénédiction, nous dit Jésus, c'est la persécution. Bénis sont... Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le Seigneur a dit, malheur à vous si tout le monde dit, dit du bien de vous. Donc, c'est normal que les gens vous critiquent en tant que chrétien. C'est normal que les gens vous jettent des pierres en tant que chrétien. C'est normal que les gens cherchent à vous tuer avec la langue, comme on disait de Jérémie, tuons-le avec la langue. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez bien que c'est pas nouveau. C'est écrit. C'est des choses qui doivent arriver. C'est à vous de vous préparer dans la prière. C'est à vous d'avancer, de, de continuer votre marche, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de vous décourager afin que vous perdiez de vue le ciel. Gardez, mes amis, fortement, gardez avec vous la foi que vous avez en Jésus-Christ en Jésus de Nazareth, notre Seigneur, Yeshua de Nazareth. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 14, le verset 13, par rapport au repos, justement. Alors j'entendis une voix du ciel qui me disait écrit, Bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est une bénédiction. Ceux et celles qui meurent dans le Seigneur. Ah oui, mourir dans le Seigneur, c'est une grâce. C'est une bénédiction, mes amis. C'est pour cela que ces hommes et ces femmes qui meurent ainsi, ben, ils, ils entrent dans le repos. Oh, dans le repos. Ils se reposent par rapport à leurs travaux parce qu'ils ont travaillé. Il ne faut jamais baisser la garde, il ne faut jamais arrêter de travailler pour le Seigneur, en dépit des épreuves, des persécutions, continuer. Je voudrais encourager ce soir tous mes frères et sœurs dans le monde entier qui sont dans les pays musulmans, qui sont persécutés à cause de leur foi mes frères et sœurs qui sont persécutés au travail même ici en France en Europe parce qu'ils ont pris position pour la vérité et qui sont rejetés mes frères et sœurs qui sont persécutés par des religieux par des jaloux qui ne veulent pas les voir avancer avec le Seigneur mes frères et sœurs qui sont persécutés parce qu'ils ont dit non à la compromission parce qu'ils ont dit non au mélange parce qu'ils ont préféré obéir au Seigneur plutôt que d'obéir aux hommes ils ont préféré comme Moïse l'outrage la persécution liée à la foi chrétienne à Yeshua Plutôt que de se réjouir, n'est-ce pas, des richesses de ce monde, de se réjouir avec les choses de ce monde, d'avoir la jouissance du bien de ce monde, du matériel, tout ça là. Ces, ces chrétiens là, je voudrais, n'est-ce pas, à ces chrétiens, je voudrais leur, leur dire, ne baissez pas les bras. Comme Paul, dans les chaînes, mais tout en étant attaché au Seigneur. En prison, mais proclamant, mes amis, la vérité. Personne, le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'esprit. Craignant plutôt celui qui tue à la fois le corps et l'âme et qui peut jeter l'âme dans la géhenne. Les hommes peuvent, mes amis, vous tuer physiquement, nous tuer physiquement, mais ils ne pourront pas, mes amis, tuer l'espoir, l'espérance que nous avons à Yeshua, notre Seigneur et, et Sauveur. Voilà. Que Dieu soit béni. Dieu est celui qui nous aime. Il est notre, notre Papa. Et euh, regardez ce que le Seigneur a dit à l'Église. Mes amis de Philadelphie, l'église fidèle, l'église qui a l'amour, l'amour de Dieu. Apocalypse trois, onze. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Tiens ferme ce que tu as. Je voudrais finir ici. Tenez ferme, mes amis, ce que vous avez. Je vous ai dit que ces chrétiens que j'ai vu sous l'autel, la croix, étaient gardés par le Seigneur dans le repos. Habillé en robe blanche parce que ces chrétiens, ces martyrs, avaient gardé le témoignage de Yeshua. Gardez votre témoignage. Que les gens vous accusent faussement, ce n'est pas un problème. Mais qu'on ne vous trouve pas dans les choses pour, les, euh, pour lesquelles on vous a, n'est-ce pas, euh, on vous accuse. Donc, le Seigneur est fidèle. Et vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, au nom de Yeshua. Euh, donc, c'est juste une exhortation par rapport à l'ouverture du cinquième saut Hein, où il est question des martyrs, il est question de la persécution. Et uh, plus nous allons rendre témoignage aux, aux hommes de ce monde sur euh, l'œuvre de la croix, plus bien sûr nous serons rejetés, persécutés. Préparez-vous parce que ça va secouer. Ça ne sera pas évident. L'Antichrist est déjà là. Son système est déjà là. Et pas de compromission pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Voilà. Pas de, pas de compromission. On va vous proposer beaucoup d'argent, on va vous proposer de beaucoup de collaboration, refusez. Si nous sommes ainsi persécutés, comme vous le savez, c'est parce que nous refusons la collaboration avec les uns les autres. Nous voulons avancer simplement avec le Seigneur et marcher avec les enfants du Seigneur, ceux et celles qui aiment la vérité. Voilà. Donc, euh, et avec la langue, bien sûr, l'ennemi euh, pense tuer l'œuvre du Seigneur et personne ne peut tuer l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut détruire l'œuvre que le Seigneur fait. Personne. Personne. Voilà, donc euh, Jérémie, il passait par, Jérémie, le prophète, est passé par la persécution. Esaïe a été sien en deux, selon, mes amis, euh, l'histoire, la tradition juive. Et euh, Moïse a été persécuté, bien sûr, par Pharaon, par ses prophètes. Et euh, tous les croyants euh, ont été persécutés. Et vous pensez que vous êtes une exception Non. Donc, attendez-vous à ce que les gens vous accusent faussement de sorciers, de sorcières, de magiciens, de tout un tas de noms. Donc, ça doit être notre vie de tous les jours. Vous devez vous réjouir quand les gens parlent mal de vous. C'est une grâce. Qui êtes-vous pour que les gens se focalisent sur vous donc, Vous voyez pas que si les gens se focalisent sur vous, c'est parce que vous êtes important. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un que Dieu n'a pas mandaté. Donc, vous êtes important, chrétien. Si nous sommes persécutés, c'est parce que nous sommes la lumière du monde. Et étant donné que nous sommes la lumière du monde, eh bien, les gens nous voient, selon Matthieu 5. Les gens nous voient parce qu'ils vous voient parce que vous brillez et eh bien, ils vous persécutent, c'est normal. Alors réjouissez-vous, c'est une grâce, dormez, adorez Dieu, chantez, louez Dieu, glorifiez le Seigneur comme Paul en prison avec Silas, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur, c'est ce qu'il faut faire parce que grande sera notre récompense là haut mes amis. Voilà. Donc euh, Dieu Dieu travaille, Dieu est bon. Donc euh, des, des exemples de personnes persécutées, vous en connaissez dans la Bible, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Daniel qui a été persécuté, jeté au, au faux lion, mes amis, et euh, accusé faussement. Joseph, accusé faussement, combattu par ses propres frères. C'est dans la Bible, tout ça, mes amis. Vous voyez, ça, la persécution fait partie de notre histoire, de notre vie chrétienne. Et euh, Shadrach, Meshach, Abednego, persécuté également, mes amis, par, mes amis, euh, par des religieux, par des satanistes. C'est biblique, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à faire l'œuvre du Seigneur. À chaque persécution, vous avez une couronne. À chaque une parole dite contre vous, vous avez une couronne. Donc c'est une grâce. Ceux qui vous persécutent, ils sont en train de vous couronner sans se rendre compte. Donc bénissez ces hommes et ces femmes qui sont là, qui passent leur temps à vous suivre, à vous, à vous par, à parler sur vous. Donc ils sont en train de vous rendre service parce que vous êtes important. Si vous n'étiez pas, pas important, ils ne parleraient pas de vous. Donc vous voyez bien que ils passent leur temps à parler sur vous parce que vous êtes important au lieu de parler sur le Seigneur et sur leur propre vie. Que Dieu soit béni, mes amis. Que Dieu soit glorifié. Euh, demain, on parlera de l'ouverture du sixième saut. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, euh, bonsoir. Euh, je vous appelle, ça serait pour poser une petite question. D'accord. Euh, euh, en fait, euh, euh, à Matthieu 24, verset 29, il est écrit que. Je, je lis le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Euh, je me pose la question, est-ce que, est que, vu que nous sommes euh, les chrétiens, nous sommes des flambeaux étincelants et, et tout ça, et que dans un Corinthiens il euh, y a une, une sorte d'analogie qui est faite entre les étoiles et les chrétiens, je me pose la question, est-ce que, est que les étoiles et en question et, tout, et les astres qui sont. Qui, qui sont cités dans le verset 29 représentent des chrétiens ou pas Non, pas du tout. Donc dans le chapitre 25-29, euh, dans Matthieu 24, là il est question des démons. On va justement parler demain. Ah d'accord. Ouais, voilà, trop vite. Voilà, y a pas de soucis, frère. C'est bien, c'est bien. Il faut, euh, faut anticiper comme ça, c'est bien. D'accord, d'accord. Je voudrais savoir aussi euh, euh, si, euh, si euh, des jeunes veulent se, enfin, venir euh, sur place pour pouvoir euh, Échanger et tout ça. Est-ce qu'il est y, a, y a des choses qui sont programmées pour, je sais pas, des centres Didasco Enfin, je sais pas trop. Quoi. Oui, il y a des formations. Si vous allez sur le site de Didasco, il y a toutes sortes de. Il y a des infos relatives aux enseignements, à la formation, aux sessions différentes organisées. Mais sinon, le, le, tout le lundi, mardi soir, bon, comme il y a des émissions, ceux qui veulent venir pour poser des questions, ben, il n'y a pas de souci, hein, il y a des frères et ceux qui sont là pour euh, les aider. OK, ben, je vous remercie alors et euh, que Dieu vous bénisse. Merci frère. Donc vous voyez bon. la persécution, hein, donc Israël a, a été également beaucoup persécuté. On a vu dans Apocalypse, euh, dans Apocalypse 13, 12 et 13, on nous parle de la persécution de cette femme. Israël, par le dragon, par le serpent ancien, et qui est parti aussi. Regardez ce que la parole nous dit. Justement, c'est un passage clé par rapport à la persécution que j'ai failli oublier. Merci, Saint-Esprit. Heureusement que tu es là. Alors, Apocalypse, chapitre et euh, 12. Apocalypse 12, regardez ce que la parole nous dit. Et. Euh, Et il y eut guerre, hein, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre Michel, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour, a été précipité. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Même si on peut nous tuer, là, mes amis, là. Si Dieu permet, on est victorieux parce que le sang de Yeshua a coulé il y a 2000 ans et il a dit tout est accompli. Et à cause de leur témoignage aussi, vous voyez, le témoignage qu'ils ont gardé, la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils les ont exposés à la mort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez. Et euh, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui, qui y habitez. Mais malheur à vous. Habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous d animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regardez le verset 17. Donc, on va prendre la personne dans quelques minutes, quelques secondes. Alors, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu, et qui font, et qui ont, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le dragon, Satan, se sert. N'est-ce pas, de ses serviteurs, ses servantes, les faux chrétiens, la religion, toutes les religions de ce monde, ils se servent de ces religions-là et de ces faux prophètes, ces faux prédicateurs pour combattre les vrais chrétiens constamment. Ils sont obligés de parler des, des, des véritables enfants de Dieu, sinon ils ne dorment pas parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils sont, ils sont mandatés par, par l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui les a mandatés. Ils ont la rage, ils ne dorment pas. Ils surveillent tout ce qui se passe. Au lieu de prier, d'adorer le Seigneur. Vous voyez bien que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. C'est un autre. C'est le venin du, de la vipère. C'est la haine. C'est le serpent ancien. Vous voyez, chrétiens Donc ne soyez pas choqués si les gens se lèvent contre vous comme ça. Et euh, Parce que ces chrétiens, ils ont choisi de garder la parole de Dieu, le témoignage de Yeshua. Voilà pourquoi ils sont persécutés. Donc c'est très biblique, mes amis, la persécution. Et regardez, la parole nous dit dans Apocalypse 17. Hein? Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec, avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de, la de sa prostitution. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et de l'impureté de sa prostitution. Et Il y avait sur son front un nom, hein, écrit un nom, un mystère Babylone la Grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis, hein, et je vis cette femme ivre du sang de saint et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. On Vous voyez cette femme, la grande église, l'église apostate, l'église apostate, l'église paganisée, l'église babylonienne, cette église-là, mes amis, persécutera les vrais croyants. Vous pouvez ne pas être membre d'une église locale et être membre de l'église apostate parce qu'il est question ici de l'esprit de l'antéchrist qui touche tous ses enfants, tous les enfants de Satan qui persécutent comme Caïn les vrais croyants. Nous devons dénoncer le mal. Mais la dénonciation, ce n'est pas, mes amis, ce n'est pas, comment dire, de la, la haine. On dénonce le mal, on dénonce les faux prophètes. Ça c'est biblique. Mais euh, les enfants du diable passent leur temps hein, hein, dans cette haine, et, euh, dans cette... Et, et, comme vous avez vu les images, hein, ils sont à la fois dans la, la politique, ils font de la politique, ils, font, ils sont dans les soutanes, ils sont dans... Toutes de choses, hein, et ils vont persécuter hein, les vrais croyants, comme on a pu voir les images avec euh, les intégristes musulmans, tout ça là, et euh, les pays musulmans où le, 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 les chrétiens ne sont pas, à la foi chrétienne n'est pas, pas bien, bien évidemment acceptée. Et euh, prions pour toutes les personnes qui sont persécutées dans les nations, dans le monde, parce que nos frères et sœurs perdent leur vie à cause de la haine que l'ennemi a contre, bien sûr, Israël et contre les enfants du Seigneur, contre l'Église véritable. Voilà. Donc, euh, et euh, que Dieu soit béni. Oui, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Euh, je voudrais juste savoir pourquoi Pierre il a voulu être crucifié la tête en bas. Parce que Pierre disait, selon la tradition, qu'il ne méritait pas de mourir crucifié comme son maître, c'est-à-dire euh, la tête à l'endroit. Alors il voulait que sa tête soit à l'envers. Donc voilà pourquoi il s'est senti indigne de subir cette mort comme la, celle de son maître. Donc il a voulu être euh, tué comme ça. Parce qu'il devait être exécuté. Alors il a dit, bah, dans ce cas-là, crucifiez-moi la tête en bas et, euh, et pas à l'endroit comme mon maître. D'accord. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà chrétien. Donc vous avez compris, hein, la, 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 la vraie Église doit être persécutée. La vraie Église a toujours été persécutée. Attention, je ne dis pas, je ne dis pas que parce qu'un chrétien est persécuté, qu'il est forcément dans la vérité. Parce que Jean, regardez ce que Pierre nous dit. Merci, Saint-Esprit. Il y a des versets qu'il me donne encore là. 1 Pierre, chapitre 3. Regardez d'abord dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Car vous êtes appelés à cela. Au verset. Euh, 1 Pierre, chapitre 2, verset 19. Car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Dieu. Car vous êtes appelés à cela, puisque même Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suivez ses traces. Vous vous rendez compte, mes amis Il nous a laissé un modèle, c'est-à-dire le modèle de la souffrance. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie Église. L'Église véritable a toujours été persécutée. Chrétiens, vous qui suivez ce message, diffusez-le. Si vous voyez un chrétien persécuté, un prophète, un enfant de Dieu, un apôtre, un pasteur, peu importe. Euh, euh, leurs origines, mais s'ils sont persécutés sachez, s'ils craignent Dieu, sachez que c'est biblique c'est la parole qui s'accomplit, voilà ne soyez pas choqués, étonnés ou découragés c'est biblique, c'est des choses qui doivent arriver et la parole dit que nous sommes appelés à cela et dans 1 Pierre 3 Pierre nous dit, et euh, au verset 13 n'est-ce pas et euh, il dit et qui vous maltraitera si vous êtes les, imita les imitateurs de celui qui est bon voilà, et euh, mais si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes bénis. Et ne craignez pas les mots dont ils veulent vous faire peur. Et n'en soyez pas troublés. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est magnifique. Et au verset euh, 17, il dit Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour, pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu étant mort en la chair, mais vivifié par l'esprit. Et dans 1 Pierre 4, il dit au verset premier, Pierre dit, ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est terrible, hein? Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est terrible, Paul. Pierre nous dit de nous armer de la pensée de souffrir. Mais bien aimé, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mais bien aimé, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez, vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissez avec allégresse. Si l'on vous, in... si vous dit des injures, pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent. » Mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront les pis, l'impie, pardon, et le pécheur que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme aux fidèles créateurs. Voilà, Pierre a tout dit. Hein, et Paul a dit dans ses écrits, dans Philippe 1, Thessaloniciens euh, 3, il dit que nous sommes destinés aux tribulations, n'est-ce pas Et euh, il dit que lui-même en tant qu'apôtre, il, il était regardé comme un imposteur, comme un séducteur. On l'a traité d'imposteur, de, de séducteur. On a traité, traité Jésus-Christ de Belzébul, vous vous rendez compte frère on a dit que Jésus-Christ, notre maître, chassait les démons par Satan. Et nous alors Et il a dit, Yeshua a dit si on a fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec Donc vous voyez bien que la base de la vie chrétienne, c'est la croix. La croix, c'est l'autel sous, le, sous, le, sous lequel ces âmes se trouvaient, hein, selon euh, le, après 6, les, les âmes qui ont été décapitées. Donc c'est la parole qui s'accomplit. Et je vous dis que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous serons de plus en plus persécutés. Alors. Vous devez, mes amis, vous assurer que vous êtes vraiment converti, que votre foi est vraiment basée sur, sur la parole, pour ne pas lâcher. Allô, bonsoir. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Euh, J'ai une question à poser. Mm -hmm. euh, quand on est chrétien, vraiment, on fait des efforts pour servir les dieux tout puissants. Donc. Euh, euh, dans notre chemin, on a rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés, vraiment énormes difficultés, en fait, hein, quand il y a des difficultés, des persécutions. Euh, euh, comme un Pierre euh, 3, Nef, nous a dit, ne regardez pas les mal pour les mal. Hein. mais euh, face à toutes euh, tout ces, ces, ces choses, on, on, on fait quoi c'est la ouais, prière, le Seigneur vraiment. a prier pour eux, il faut prier, adorer oui. le Seigneur simplement. Ça doit arriver, ça fait partie de, notre, de la vie chrétienne. Donc et, euh, et Jean l'a vu, hein? donc c est, c est les ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Allô. Oui. Vous m'entendez? Très bien, il faut simplement prier comme je vous disais. Oui. C'est tout. Il n'y a que la prière, la prière et, et l'adoration, la, la méditation de la parole du Seigneur, c'est tout. Voilà. Okay. D'accord. J'ai une autre question. En fait, euh, j'ai l'habitude d'y aller dans, 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 une as dans une assemblée, euh, une assemblée qu'on prie en fait, mais c'est une assemblée que j'ai l'habitude de prêcher très souvent là-dedans avec euh, la Bible, la, la sainte Bible quoi. Euh, un jour, j'ai été dans cette assemblée. En fait, quand c'était à moi de prêcher ces jours-là, j'ai prêché avec le Bible, euh, avec la, la Bible euh, BJC, la, la Bible du donc euh, le frère Shorah, a, 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 a en fait a écrit. Révisé, ouais. Après avoir fini de prêcher, j'ai été attaqué par, par des mauvais esprits qui ont plongé sur moi directement. Donc. J'aimerais savoir, est-ce que tout ce qui est dans, ces, dans cette Bible, ce n'est pas les mêmes qui est dans la Sainte Bible En fait, c'est la parole, la parole de Dieu, mais c'est une autre. En fait, ça dépend de quelle Bible vous parlez, parce que toutes les Bibles sont appelées Sainte Bible. Maintenant, il y a plusieurs versions. Il y a des versions qui sont traduites à partir de textes, ce qu'on appelle les textes majoritaires, et, euh, tels que la BGC, l'Osterval, la Martin et plein d'autres et des versions qui sont traduites à partir des textes minoritaires comme Louis II et, et, et Taub, euh, Darby, et voilà. Maintenant, euh, il y a des différences, effectivement, parce que euh, euh, voilà, donc, les textes minoritaires sont quand même des textes assez corrompus. Hein, donc, euh, voilà, mais sinon, euh, c'est normal qu'on soit persécuté quand on prêche la vérité, ma soeur. L'ennemi ne va pas rester les bras croisés. Voilà. Je l'avais dit, hein, dit, il y a plus de vérité dans... Dans la BJC et l'autre. Donc, euh, ce n'est pas les mêmes textes, en tout fallait enfin, Je veux dire, ce n'est pas les mêmes sources. Et, euh, ouais. Il y a beaucoup de différences. Hein. Euh, la BGC, comme la Martin, comme l'osterval et tout ça. Et, euh, voilà. ouais. Donc, c est, c est... Que l'on soit attaqué pour la vérité, à cause de la vérité, c'est biblique, c'est normal. D'accord. Voilà, bon courage. D'accord, merci beaucoup. Voilà, mes amis, on va lire encore un autre passage dans 1 Corinthiens 4, après partir du verset 9. Car je pense que Dieu nous a n'est-ce pas, exposé publiquement, et, euh, nous qui sommes, euh, nous apôtres, qui sommes les derniers des hommes, comme des gens condamnés à la mort, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime et nous sommes dans le, le mépris. Jusqu'à cette, cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. On nous frappe au visage et nous sommes errants, ça et là. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. On dit du mal de nous et nous bénissons. Nous sommes persécutés, nous le supportons. Nous sommes calomniés et nous prions. Voilà, donc ça répond à la question de la sœur. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, comme les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Donc, Paul a, a, a vécu ces choses. Et euh, donc, c'est tout à fait normal. La persécution, elle est biblique, elle est normale. Voilà, il faut bénir le Seigneur pour la persécution et, euh, que vous subissez et, euh, à cause de la vérité. Le Seigneur l'a dit. Hein, donc, on sera persécuté. Si on nous persécute, persécute dans une ville, on doit fuir dans une autre. Donc, euh, voilà, le Seigneur l'a dit. Maintenant, il ne faut pas chercher à être martyr comme les autres religieux, euh, d'autres religions. Si vous cherchez vous-même à être un martyr, eh bien, vous mourrez, ce serait un suicide. Hein, donc, vous n'irez pas au ciel, bien sûr, si vous vous suicidez. Mais donc, il faut euh, se sauver. On peut fuir une ville, un pays, parce qu'on est persécuté. Ce n'est pas, euh, mes amis, euh, de la lâcheté. Au contraire, c'est un, une recommandation du Maître. Voilà un autre passage où Paul dit justement et euh, comment il a été persécuté et euh, au verset 4 de 2 Corinthiens 6 il dit mais nous nous re, nous nous rendons recommandables en toutes choses comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les afflictions dans les nécessités dans les détresses sous les coups dans les prisons dans les troubles dans les travaux dans les veillées dans les veilles dans les jeûnes par la pureté par la connaissance par un esprit patient par la douceur par le Saint Esprit par une charité sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Waouh! Au milieu de la calomnie et de la bonne réputation. Comme séducteur et toutefois vrai. Comme inconnu et toutefois connu. Comme mourant et nous vivons. Voici, nous vivons. Comme châtié et toutefois non mis à mort comme attristé et toutefois toujours joyeux, comme pauvre et toutefois enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes choses. C'est ce qu'ils ont vécu, mes amis. Et, euh, et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Il a dit, regardez juste la parole du Maître dans Jean, dans Jean euh, 15. C'est une parole très, très forte. Et euh, qu'est-ce que le Maître a dit et, euh, Voilà, donc euh, dans Jean chapitre 15, et euh, voilà, Jean 15, voilà, c'est ça, et euh, il dit, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà, donc, euh, au verset 18, il dit, si le monde vous hait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Voilà, donc, et, euh, et, et, et au verset 25, il dit Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Voilà, sans cause. Il y a des gens qui vont vous haïr sans cause. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait contre eux. Mais ils vous détestent, ils vous haïssent. Ils vous salissent, ils vous noircissent. C'est normal. C'est la vie que vous portez en vous. Croyez en la parole du Seigneur. Restez ferme et Dieu, n'est-ce pas, euh, se vengera. Dieu va euh, vous venger un jour. Il va nous venger. C'est ce qui est écrit. Que Dieu soit béni. Alors, on va prendre une dernière personne en ligne. Hein, et, euh, et puis, on va clôturer l'émission parce que demain, il y a aussi une, une grande émission hein, par rapport à l'ouverture du sixième saut. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, allô. Je peux poser une question s'il vous plaît oui. euh, Par rapport aux enseignements qu'on reçoit depuis euh, ces derniers temps, euh, je demandais, en fait, je voulais savoir parce que euh, lorsque vous avez commencé à parler des sceaux, vous avez dit que bon, l'apôtre Jean il pleurait parce que si a, on ne pouvait pas ouvrir les sauts, enfin, euh, euh, l'humanité n'avait pas d'avenir. Et moi, je me posais la question euh, par rapport au fait que est-ce que Satan lui connaissait déjà son sort, en fait est-ce que ça va impliquer aussi, sûr. aussi euh, euh, la fin de sa situation où euh, c'est juste par rapport à l'humanité qu'il euh, fallait ouvrir les seaux pour qu'on sache ce qui devait arriver En fait, tout était déjà accompli et, et euh, sans l'ouverture des seaux, on allait tous, nous allons être dans le flou. D'accord. Hein, tâtonnant, ne sachant pas comment les choses vont se passer. Euh, c'est comme si vous êtes dans un bateau... Euh, vous ne savez pas dans quelle direction euh, vous vous dirigez. Et euh, donc, Satan, son sort est déjà réglé depuis et il, le, il sait comment il va se terminer. Mais euh, okay. il était question, bien sûr, d'abord de, 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 de nous, oui, nous le bien croyant, bien parce que nous avons besoin de, de... Vous savez, on, nous parle, on parle de l'espérance. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose si on ne vous l'a pas promis, n'est-ce pas oui. Donc, le Seigneur nous a promis des choses et le livre d'Apocalypse est venu, justement, a été révélé pour nous montrer... Euh, l'objet hein, de notre, euh, notre espérance, Donc, euh, notamment la Nouvelle Jérusalem, Et, euh, pour nous parler de notre avenir. Donc le fait de connaître son avenir, ben, on est motivé. On est motivé parce que, par, 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 la, par, la, par la finalité, par, 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 le, le, par la, la, la vie hein, qui nous attend demain, qui nous attend euh, voilà, au ciel. Donc c'est tout ça. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, maintenant, euh, on, a, on est ferme. On est fermement attaché à la foi, au Seigneur, à la vérité, quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent. Quoi qu'il fasse. D'accord. Voilà. Okay. ok, je vous remercie. Voilà, bon courage. Alors, mes amis, on va vous diffuser euh, le programme, si c'est possible, hein, de Troyes. C'est en train de télécharger. Donc, on va mettre un témoignage. Alors, ok. Donc, euh, on a vu des belles choses. Donc, ne raccrochez pas. On va vous diffuser quelques images là. Que Dieu soit béni. À bientôt et merci encore aux frères et sœurs de Troyes. Les frères et ceux de Trois qui nous ont beaucoup soutenus hier, que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Au revoir.